Ouais, ça va pas bien du tout la cheese. J'ai quelqu'un qui s'est incrusté dans ma tête, elle fait que grossir. Quelqu'un s'est incrusté dans ta tête? Mais c'est qui? Mais je sais pas du tout, ça fait trop mal. Bon, tu sais quoi, vu que je suis là, je vais essayer de t'aider. Je te garantis rien. En tout cas, les amis, si vous likez la vidéo, peut-être qu'on va pouvoir aider Tengue Tengue. Et comme vous pouvez le voir, on a le corps de Tengue Tengue juste ici. Et on va tout de suite rentrer à l'intérieur. Et j'imagine que la personne est rentrée directement dans ton crâne. Ouais, c'est ça. Ok, c'est parti. Vous savez quoi? On va tout de suite se rendre à l'intérieur du crâne de Tengue Tengue. Et on va essayer de savoir qui s'est incrusté à l'intérieur. D'ailleurs, dis-moi, t'as une idée ou pas? Non, pas du tout. Moi, il y a tout le monde qui m'aime. C'est vrai que tout le monde t'aime bien, même moi je t'aime bien. D'ailleurs, tiens, je te fais un gros câlin vu que je t'aime bien. Câlin. Oh. Merci. Mais dépêche-toi, mon cerveau, il va exploser. Oui, je vais me dépêcher. Alors, il va falloir que j'essaye d'attraper cette échelle. Ok. J'ai réussi à me mettre au niveau de l'échelle. Et on va voir. Attends, mais. L'accès, il est fermé là. Attends, mais c'est qui ce personnage? Alors, je vous ai manqué mes petits choux. Catnap? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Menteur. Espèce de menteur, c'est bien Catnap! Qu'est-ce que tu fais Bah. dans le cerveau de Tengue Bah, je suis venu pour l'embêter, tu parles. Tengue? L'embêter, mais tu sais que t'es en train de le tuer! Il risque de mourir si tu restes trop à l'intérieur! Bah, tu me connais, je suis gentil, je vais sortir tout de suite, évidemment. Absolument pas, tu n'es pas du tout gentil là! Attends, Eh ben vas-y! justement, pour la peine, je vais pas sortir. Tu m'as vexé, voilà. Allez, je reste ici. Salut, salut, hein. Non! Non, attends, 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 attends! Reviens ici, Oh. Catnap! C'est vrai qu'il y a son cerveau par là-bas, et si je mettais un coup dedans? Non, surtout pas, stop les Catnap! Ne fais absolument pas ça! Je vais casser une petite feuille. Non, 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 il... Oh, il est complètement cinglé! Ah non, merde, mince alors. Oups, pour la boîte à gros mots, pour la peine, j'ai dit un gros mot, je ne casserai rien. Ok, C'est la bon. punition. Bon, du coup, tant mieux. Et en plus de ça, tu vas pouvoir sortir immédiatement d'ici. Ouais, abuse pas non plus. Et... Attends, bon, vous savez quoi? Hey, Tengue Ouais, t'as vu, c'est qui l'intérieur de mon cerveau? Tengue! Oui, et c'est une vraie mauvaise nouvelle! Oh non, c'est qui? Tu connais Catnap de Poppy Playtime 3? Oh non, encore lui, lui je l'aime pas. Oui. Moi je le prends mal, Pareil, moi aussi je l'aime pas du tout et il a mis un code pour accéder à ton cerveau. Dis-moi, tu connais c'est quoi le code? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai bien entendu, vous m'aimez pas, bah pour la peine, je vais rajouter 2-3 feuilles pour qu'il ait mal au crâne. Tiens, hop, rajouter et. Aïe. Et attends. Voilà, là, il vient de perdre connaissance. Oh. Non, mais Catnap, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a fait? Il m'a volé mon goûter. Non mais tu te moques de moi, il t'a rien volé du tout. Ton goûter à toi, c'est les humains. Bah oui, bah il me l'a volé. Espèce de menteur, Tengue Tengue ne mange même pas les humains. Ouais, en même temps, c'est son petit frère, donc bon. Ça va, Tengue Oui, ça va, j'ai mal à la tête, c'est Attends, affreux, je vais la casser tête un qui bout de tourne. cerveau. Je vais casser un bout de Aïe, cerveau. Attends, 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 non. attends. Hop là! Aïe! Ah, ça fait mal, aïe, je vais mourir, je crois. Tiens, aide-moi. Oh les amis, j'ai l'impression qu'il reste pas beaucoup de temps pour Tengue Tengue. On va tenter de tout de suite l'aider. Et pour cela, il va falloir retrouver le code. Et si on descendait en bas au niveau de ton corps, peut-être qu'on trouverait quelque chose. Oh oui, merci, merci. Ok, qu'est-ce que nous avons ici? On a un coffre avec un code. Et regardez, je crois que dans ce coffre, il y a l'accès au cerveau. Mais pour cela, encore une fois, il va falloir un code. Rassure-moi. Dis-moi que tu connais le code, s'il te plaît. J'ai Bah bien trop sûr mal au que cerveau, non. j'arrive pas. J'arrive pas à Cheese. rappeler. Tu sais que je t'entends depuis ici, ça résonne. Au passage, vu que j'ai cassé une partie de son cerveau, il a perdu des souvenirs. Par conséquent, il connaît pas le code. Bon blaireau. Mince! Oh, mais il est en train de te détruire mentalement! Oh, faut vite faire quelque chose! Bon, j'imagine qu'il a sûrement dû laisser une partie du code ici, donc on va tenter de le retrouver. Regardez ici, on a le lit de Tengue Tengue. Attends, mais tu dors dans ton propre corps ou quoi? Non, là c'est la partie de mon cerveau où il y a mes souvenirs où je dors. D'accord. Ah, c'est tes rêves quoi. C'est ça, c'est les rêves. Ok, ça marche. Ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, ok. Je crois qu'il va falloir sauter puisque tout en bas, on a des cartons. Et peut-être qu'on aura la partie du code pour ouvrir tout simplement le coffre. Ouais. Ah, oh, j'ai mal à la tête.
Monsieur, mais vous êtes qui? Attends, t'as perdu connaissance ou quoi? Monsieur? Non, c'est moi, Chiznan. Tu te rappelles plus de moi ou quoi? Attends, ça me dit un truc. Oh, allez, c'est bon. Je lui remets une petite partie de son cerveau pour qu'il se souvienne de toi. Oh, ça va mieux d'un coup. Oh, Cheese. Oui. Eh, ça va, Cheese. Je t'ai oublié pendant un instant. C'est Catnap, il fait quelque chose, il s'amuse avec ton cerveau. Attends, bouge pas, reste ici, je vais sauter et je vais essayer de retrouver la partie du code. Wouhou, aïe. Ok, bon, je me suis cassé un peu la figure. Comme vous pouvez le voir, il me reste plus que 3 cœurs, il va falloir que je fasse super attention. Et on va tenter de retrouver le code. Peut-être qu'on a une partie du code ici. Rassurez-moi, j'espère qu'il y en a un là. Allez, hop. On ouvre chaque de ces cartons. Regarde en haut de toi, Cheese. Mais t'as pu sortir du coup? Ah, t'inquiète pas, je me balade comme je veux ici, c'est comme chez moi maintenant. Enfin, je voulais te dire, il te reste 15 minutes, sinon j'explose le cerveau avec une dynamite. Voilà, c'était tout. Pour la peine, je vais disparaître dans l'eau, regarde, tour de magie. What? Attendez, il ne reste plus que 15 minutes, il va falloir vite se dépêcher! Ok, bon, les amis, allez, je crois que j'ai pas fouillé ces dernières caisses. Oh, ok, j'ai trouvé une redstone, et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ok, donc là pour le numéro 1, je crois que le code, bah c'est 1 tout simplement. Ok, Catnap, où est-ce qu'il est Tengue-Tengue? Bah je te l'ai fait tomber. Tengue-Tengue, appuie sur le bouton. Ok. Vas-y. Ah merci, nah. Il est magique le bouton. Oui, exactement, vas-y viens avec moi. Ok, donc là maintenant qu'on a une partie du code, je crois qu'on a un deuxième défi. C'est un espèce de labyrinthe. Ouais. Il va falloir que tu rentres à l'intérieur pour ouvrir. Ouais, bon, tu restes à l'extérieur ou tu viens avec moi? Je crois que c'est trop tard là. Bah oui, effectivement, c'est trop tard. Bon, c'est pas grave, viens avec moi. On va essayer de trouver une autre partie du code puisque je peux voir un coffre tout au fond. Et pour y accéder, il va falloir traverser ce labyrinthe. Et il a... Hey, regarde au-dessus de toi. Coucou. Non mais Catnap, sérieux, tu veux pas nous aider? Ça sera beaucoup plus simple pour nous. Oui, bien sûr, t'as raison, c'est une bonne idée, je vais vous casser tous les chemins alors. Ah, te voilà, vas-y, du coup c'est par où qu'on passe? Eh ben, simplement, il faut passer par ici. Ah, par ici, ah oui, bien vu, ok, nickel. On a une deuxième partie du code, et je crois que... Ah non, c'est la troisième partie du code, regardez. 1 et 3, ok, il nous manque plus que le 2 et le 4. Alors, c'était pas ce que j'avais prévu, de base, je voulais t'emmener dans un endroit où il fallait pas aller, mais bon... Bon bah au moins t'as été sympa. Et cette fois-ci, emmène-nous directement et passe-nous la carte. Ouais t'as raison, allez. Non je rigole, sale fou. Bah. Je veux pas prendre le risque de vous envoyer à un endroit que je pense mauvais et qu'au final il est bon. Regarde, je vais disparaître en fonçant dans toi. Regarde, t'es prêt? Catnap, c'est un fantôme ou quoi? J'ai dit que je me baladais comme je voulais dans son corps vu que c'est moi qui le contrôle et c'est un monde d'esprit ici. Ah, d'accord, ok. Bon bah toi ça va au niveau de ta tête, Tengue-Tengue? J'ai l'impression qu'elle grossit. Je crois que je suis malade. Je fais juste de la boxe dedans, c'est pas grand chose. Aïe. Hop là, coup de poing dans le cerveau. Bam, bam, bam. Hop, crac. Aïe. Un petit coup de griffe pour le fun. Slack. Aïe. Ah, c'est horrible. Tengue, suis-moi. Vite, on va essayer de sortir d'ici. Allez, hop, on sort. J'ai du mal par à là. Marcher. Ok, nickel. J'ai réussi à sortir. Vas-y, viens avec moi, suis-moi. Ah ouais, c'est bon. Ok, bon, maintenant qu'on a les deux parties du code, il va falloir trouver, du coup, le troisième. Alors, ici, on a un autre défi, je crois que c'est un jump. Ok, faisons le jump, c'est parti. Ah, j'aurais bien voulu le one-shot. Alors, Tengue, si tu te mets devant moi, ça me facilite pas du tout la tâche. Ok. C'est à cause de mon cerveau, ça, encore. Ah, j'ai vraiment du mal, je suis vraiment nul. Ah, les amis, si vous voulez que je réussisse ce jump, abonnez-vous à la chaîne. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Ok, bien joué. Et grâce à vous, je vais réussir le jump. Bah non, pas du tout. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés. Ok, allez. Oh, Tengue-Tengue, ton cerveau, il est en train de moisir, je vois, là. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Bien vu, les mecs, vous êtes abonnés. Ok, donc j'ai la troisième partie du code. Il ne manque plus que la dernière. Je vois flou, c'est pas normal. Ok, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas me suivre et tu vas pas bouger, d'accord? Vas-y. Ok, vas-y, tiens-moi la main, hop, viens. Et vas-y, reste ici, tu bouges pas, d'accord? Ok, je bouge pas.
Et si je le tuais, ce serait une bonne idée, tu trouves pas? Non, absolument pas là, bouge de là, t'es kidnappé. Non, je fais ce que je veux, c'est mon corps ici. Non, c'est pas du tout ton corps, tu vas pas prendre le contrôle de son corps, je te le dis moi. Ah mais je peux, c'est ça le pire. Oui, tu peux, mais tu vas pas le faire. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, les abonnés, ils vont dire de te tuer et après moi je vais te tuer. Tu vas rien faire du tout. Mais bon, pour les abonnés dans ce cas, je ne prendrai pas le contrôle de ton cerveau, je viens simplement te rappeler qu'il reste 10 minutes avant que je dynamite tout le reste de ton corps, tengue tengue, et que tu meurs dans d'atroces souffrances. Oh non. Bon, déjà, ton cerveau, il est en train de moisir, là, j'en vois, il y a 2-3 traces de verre sur ton cerveau, puis j'ai la flemme de les enlever, donc bon... Oh. À tes risques et périls, hein, mon grand. Chill, aide-moi. Oui, t'inquiète, bouge pas. Et Catnap, barre-toi d'ici, là. Ok. Tiens, c'est quoi? Je trouve pas ça drôle. Je veux que vous vous amusiez un petit peu, un minimum, je vais te passer des lentilles. Tiens, tu devrais y voir un peu plus clair. Oh oui, c'est bon, je vois mieux. Ok, c'est des... Oh, merci. C'est des espèces de lunettes. Ok, parfait. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'il va falloir créer exactement la même chose pour pouvoir ouvrir cette porte. Et ainsi, on va pouvoir avoir la quatrième partie du code. Ok, donc je récupère tous les blocs. Et on dirait... Alors, je sais pas trop ce que c'est. C'est quoi ce bordel là que t'as dans ta tête? Je sais pas trop, je crois que c'est des vers de terre. Attends, c'est un ver que là je dois reconstruire? Mais non, c'est imbécile, c'est pas possible. Même moi, c'est pas mon propre corps. Et je sais ce que c'est ses amygdales, bande de blaireaux. Ce sont ses amygdales? Bah oui. Je sais pas du tout ce que c'est. Attends, mais... Ah, c'est le truc que t'as au fond de la gorge, et bon, des fois ça te fait choper des maladies, genre des angines, etc. Ah oui, je vois. Ok, je viens de réussir exactement. Et du coup, la porte, elle s'ouvre, parfait. Et regardez, j'ai la quatrième... Bah, la dernière partie du code. Ok. Nickel. Allez, on va pouvoir ouvrir le coffre. Vite, il reste une minute, hein, voilà. Une minute 40, 20, 19, mais... Attends, 18... Mais attends, pousse, hey, mais il a pas le droit de faire ça. Ok, 15, donc, attendez, on a 1, 6, 3, et... Attendez, 1, 6, 4, 5. 16, 45, c'est ça le code. Oui, ok, regarde, j'ai la carte, tagué. Grâce à ça, j'en suis sûr, on va pouvoir le tuer. Non, on va pas pouvoir le tuer, on va pouvoir le chasser de là où il est, et ainsi on va pouvoir réparer ton cerveau si c'est possible. Mais il faut se venger en le tuant. Non, hey, c'est pas dans nos états d'esprit, hein, de tuer les gens. Ouais, mais il m'a quand même fait mal, hein. Il m'a quand même fait t'oublier, toi. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, vas-y, viens avec moi, mais on va pas le tuer. Je suis désolé, on va malheureusement pas le tuer. On va tout de suite monter tout en haut et on va le chasser d'ici. Non. Allez, tu viens avec moi, du coup, Tengue Tengue. Qu'est-ce que tu fais avec une arme? Non, t'as rien vu. Ok, ouais, range là. On n'est pas là pour faire des dégâts, ok? Ouais. C'est super délicat. Allez, on va pouvoir accéder à ton cerveau. Ok. Non, Si. Vas-y, viens. Non, je vais casser son cerveau, attention. Tiens, j'ai cassé un bout de ton cerveau. Mais qu'est-ce que tu... Tengue, chasse-le d'ici, là. Pars de là, ou je te tire dessus. Pars. Et bah, tiens, je casse un bout de ta tête pour m'enfuir. Voilà, aïe. Tu vas avoir du mal à cicatriser, mon gros. Aïe. J'ai mal. Ça va, Tengue? J'ai un trou dans la tête, ça va pas du tout. Attends, ne t'inquiète pas, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de, je sais pas, de le recoudre ou faire quelque chose, mais t'inquiète pas, tout va s'arranger. Oui, j'espère. Ah, j'ai mal. Bon, déjà, on va voir l'état un peu de ton cerveau. Oh, mais regarde, il y a des algues un peu partout autour de ton cerveau. Il va falloir enlever ça tout de suite. Ouais. Ça risque de s'infecter. Je crois qu'il va falloir... une pelle. Attends, tu sais quoi? On va sortir par le même endroit. Ok, il me reste plus que 2 cœurs. Il va falloir que je fasse super attention à ma vie. Ok, tu viens avec moi, Tengue? Oui, vas-y, j'arrive. Ok, donc on va récupérer tous ces bouts de bois. Hop, donc je pense que 3, c'est largement suffisant. Dis-moi, est-ce que tu vas pouvoir aller me récupérer un peu de pierre? Un peu de pierre? Vas-y, j'y vais. Vas-y, tu vas me récupérer de la pierre? Et moi, en attendant, je fais tout simplement la petite pelle. Donc, évidemment, on commence par les planches. Une fois que j'ai l'établi, je transforme, du coup, mes planches en bâtons. Et maintenant que j'ai mes bâtons, il va me falloir, du coup, la pierre. Est-ce que t'as un peu de pierre? Ouais, j'ai miné, là. Tiens. Ok, parfait.
Alors toi, t'as pas l'air d'avoir la mine, hein? Non. Ok, hop, c'est parti. Maintenant que j'ai ma petite pelle, je vais pouvoir re-rentrer à l'intérieur et enlever toutes les algues. Et enfin, peut-être que du coup, Tengue Tengue ira mieux. Et évidemment, il va falloir enlever... recoudre, du coup, cette partie du cerveau. Ok, on enlève tout de suite les algues. Hop, c'est parti. Ça dégage. Ça, on n'en veut plus. Tengue Tengue, j'ai envie qu'il reste en vie. Parfait. Ok. Ah non, attendez, il reste encore un peu d'algues. Ok, ah, pourquoi il y a un plus gros trou que tout à l'heure? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Hop là, un œil en moins. Comment ça, un œil en moins? Aïe, je vois plus rien. Attends, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te fait du mal encore. Je crois que c'est Catnap. Allez, deuxième œil, meurs, t'as plus la vue. Non, je vois plus rien. Oh, Catnap, barre-toi d'ici, là, bouge d'ici. J'ai un ego surdimensionné, crétin. Tu croyais vraiment que j'allais lui laisser la vue? Allez, je ne perds jamais. Je ne perds jamais, tu m'entends, crétin. Oh, Tengue Tengue, ça va? Qui me parle? Je vois plus du tout. Oh non, les amis, je crois que Tengue Tengue n'a plus du tout de yeux. Il a perdu la vue. Si vous voulez qu'il récupère la vue, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Bon. Tengue Tengue, tu sais quoi, bouge pas, je vais essayer déjà de recoudre dans un premier temps ton crâne. Et ensuite, concernant tes yeux, c'est seulement les abonnés qui vont pouvoir t'aider. Bah je te fais confiance, et les abonnés, faut qu'ils mettent beaucoup en s'abonnant. Oui, vraiment. Attends, bouge pas, je vais essayer déjà de rajouter avec ce que j'ai. On va essayer de recoudre du coup ton crâne. Bon, pour l'instant, c'est pas fifou. Oh, les amis, là c'est vraiment le bordel dans le crâne à Tengue Tengue. Hein. Ah, c'est vraiment du n'importe quoi là. Attendez, je vais tout de suite redescendre. Qu'est-ce que je pourrais récupérer d'autre? Hop, de la terre. Ok, on va pouvoir mettre de la terre. Ok, c'est parti. On récupère un maximum de blocs. Je pense que, ouais, une quinzaine suffira largement. Ok, ouais. Bon, peut-être on va en prendre une vingtaine. Voilà. Ok, comme ça, on est assez large. On en a récupéré 21. Ah, j'ai failli tomber. Ok, je remonte vite. Et d'ailleurs les amis, dites-moi dans les commentaires qui s'est abonné et qui a liké la vidéo. Voilà. Hop. Ok. On remet de la terre pour recoudre tout ça. Ok, parfait. Attendez. Comme vous pouvez le voir les amis, on a fini de soigner Tengue Tengue. Malheureusement, je crois qu'il a toujours pas retrouvé sa vue. Dis-moi. Mais de quoi? Je vois plus rien. Théo, attends, j'arrive vers toi. T'es là-bas. Oh, ça me fait vraiment de la peine. Tengue Tengue ne voit absolument rien. Oh, le pauvre. Bon, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire.